Grad ONG organise au profit de 150 jeunes de Parakou une formation gratuite sur l'élevage domestique de volailles grâce à l'accompagnement du président des jeunes leaders de l'UPR dans la 8e circonscription électorale, Ousmane Traoré. Elle a été initiée dans le but de lutter contre le chômage des jeunes au Bénin en général et celui de la cité de Koburu en particulier. Nous luttons pour ancrer dans la tête de la jeunesse que le seul moyen d'être indépendant dans la vie, c'est d'avoir son entreprise. Au nom du président d'honneur des jeunes leaders, son Excellence Ousmane Traoré, je vous exhorte à vous concentrer véritablement sur cette formation qui va vous libérer et vous permettre d'être au-dessus de l'esclavage que vous imposent les politiciens depuis toujours. Nous avons pour l'engagement de changer la manière de faire la politique. Ce n'est pas une petite histoire de nos positionnements qui va nous arrêter. L'avenir réserve encore beaucoup à la jeunesse de la 8e. Je peux vous rassurer que le PH est plus que jamais déterminé à mener cette remise d'attestation à bout. Cette formation qui a débuté ce mardi 20 décembre va durer 3 jours. Un document support comportant 4 grandes sections qui détaille comment réussir dans le domaine de l'élevage domestique est mis à la disposition des bénéficiaires de cette formation. Cette formation va se dérouler sur 3 jours. Nous aurons essentiellement à parler de l'élevage domestique, l'élevage familial. Ce qu'un jeune peut faire quand même lorsque je n'ai pas une grande exploitation, je n'ai pas de grands moyens pour faire face aux besoins de la vie. Rien qu'avec l'élevage de la volaille, ça peut aller. Monsieur Ousmane Traoré a voulu qu'après cette formation qui va se dérouler en quelques sessions sur le logement et l'habitat, nettoyage, désinfection et les premiers soins aux animaux, l'alimentation et la gestion de la production et de l'effectif du cheptel volaille familiale. Il y aura un suivi de ces jeunes qui vont recevoir cette formation. Le suivi sera fait de maison en maison afin qu'ils soient véritablement autonomes. Pour les jeunes qui prennent part à cette formation, l'initiative du jeune leader Ousmane Traoré est une opportunité à saisir. Cette formation, ça doit être à des coûts élevés. Mais si on a eu la chance, on nous a appelé, on nous a dit ah, qu'il y a une opportunité de suivre cette formation gratuite, je crois bien qu'il faut en profiter le plus possible et jouir de ça. Je serai là durant le nombre de jours que ça va tenir. Pour moi, j'ai choisi venir parce que j'avais déjà commencé des activités comme ça, donc je veux m'améliorer de plus. Je vais suivre avec intérêt les 3 jours et appliquer ce que j'ai appris. À travers cette formation, à l'endroit de la jeunesse paracoise, Ousmane Traoré montre une fois encore sa bonne foi à lutter considérablement contre le chômage des jeunes.